Les jumeaux, maintenant que vous avez grandi, vous savez quoi? Il faut que je change votre petit déjeuner. Oh, mais qui a déplacé ça? Ma déco. Oh là là, il faut que je fasse une nouvelle déco. Bon, restez ici, moi je prépare votre petit déj. En même temps, vous savez pas marcher. Donc, je suis rassurée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Pour les jumeaux, il y a un petit déj spécial. Alors, dans le frigo, j'ai des spaghettis. On va prendre ça, un peu d'huile d'olive. On assaisonne, hop. Et maintenant, il faut choisir un ingrédient. On va prendre du tofu. Hop, voilà donc pour un jumeau. Je vais prendre des assiettes. Hop, voilà pour Hercule. Nous allons faire la même chose pour Adam. Alors, pour Adam, c'est pareil. On va prendre des spaghettis, un peu d'huile d'olive. Et ensuite, nous allons prendre, pas des piments, mais une petite salade. Voilà, son petit déj aussi est prêt. Et maintenant, ils vont manger tranquillement. On va commencer d'abord par Hercule. Tu viens ici, tu t'assois ici, voilà. Et tu manges tranquillement. Oui, je vois que t'aimes bien ça. Et pareil pour toi, Adam, viens ici, tu t'assois ici et tu manges. Bon, le temps que vous prenez votre petit déj, moi, je vais prendre une douche. Allez, c'est parti. Je prends mon shampoing, on ferme tout ça et let's go. C'est bon. Allez, j'essaie de faire vite. Je vais prendre ma crème hydratante. De l'huile pour la peau. Ensuite, ma brosse à dents. J'oublie pas de me coiffer. J'espère que les jumeaux sont en train de manger. Sans ma présence, personne n'est à la maison, sauf eux et moi. Alors, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Oh, ce haut, il a l'air pas mal. Avec ça, ceci? Ouais, j'aime bien. On pose ça ici. Ensuite, comme chaussure. Ok, c'est pas mal. Pas besoin de sac, juste des boucles d'oreilles. Celle-là. Ouais, ça va bien. Attendez, on se regarde une dernière fois. Cool. Bon, je pense que c'est bon. Je vais juste mettre ma machine à laver. Allez, on lance tout ça. Voilà. Et maintenant, allons retrouver les jumeaux. Ok, allons voir les jumeaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Une assiette est par terre. Hop, Hercule, tu viens ici. Tu vas du coup regarder de nouveau la télé. Et toi, mon petit Adam, on va faire pareil. Hop, ton assiette. On la pose ici. Ensuite, je dois faire le ménage, la vaisselle, donc toi aussi, tu te mets ici. Allez, on ramasse tout ça, hop, on va laver. Et ensuite, nous allons faire le ménage dans toute la maison. Bon, ça c'est bon. On va reposer tout ça à sa place. Moi, j'avais pris le petit-déj avec les jumelles. Il ne restait plus que les jumeaux. Bon, maintenant, on va faire le ménage. Eux, ça va, ils regardent la télé. Je vais voir... Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour. Dans la chambre des jumelles, si tout est rangé, attention, voilà, on range bien le téléphone de Mia, son livre... On le pose ici. Il y a les chaussures de Rose. Voilà. On va ranger un petit peu. Là, je pense que c'est bon. Ok. Bon, maintenant, je prends mon aspirateur et on va ranger tout ça. Mes bijoux, ils sont ici. Allez, on va ramasser tout ça. J'ai pas trouvé d'autre boîte, donc on va mettre tout ça ici et ranger dans notre chambre, dans notre tiroir à bijoux. Let's go. Allez, on y est. Donc, je vais mettre ça ici. Hop, voilà, comme ça, c'est bien rangé. Et ça, je crois que je vais poser, où ça? Au garage. Bon, ensuite, je dois prendre tout ça, voilà, mettre dans le sèche-linge. Et ensuite, je prends mon aspirateur et mon petit aspirateur. Et du coup, c'est parti, nous allons faire le ménage. Allez, c'est parti, allons voir ce que font les jumeaux. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont choux! Oh, ils ont l'air de s'amuser. Ok,
Restez comme ça, je vais un petit peu faire le ménage. Déjà, on va ranger ça. Voilà. Ensuite, je vais poser ça ici et passer mon petit aspirateur. Bon, les jumeaux, ça va. Ils ont l'air de s'amuser. Donc, cool. On leur dérange pas. Et nous, on fait notre petit ménage. Voilà. J'oublie pas, bien sûr, mon bureau. Là aussi. Voilà. Voilà. De ce côté-là, c'est bon. Ensuite, de ce côté-là, j'aurai besoin de mon grand aspirateur. Oh, quelqu'un avait versé du jus sur mon tapis? Ok, trop bien. Cet aspirateur a tout nettoyé. Cool. Allez, l'endroit qui est le plus sale, c'est en fait le tapis de la table à manger. Regardez-moi ça. Ah, ça va de ce côté. La cuisine aussi. C'est important de la nettoyer. On va déplacer ça. Hop. Voilà. C'est bon. Allez. Maintenant, on va aller à l'étage. Bon, les jumeaux, je vous fais confiance. Regardez la télé, d'accord? Moi, je vais faire le ménage. Alors, la piscine, c'est Manny qui s'en occupe. C'est le travail le plus long et le plus dur pour moi. Bon, allons maintenant ranger ma chambre. Alors, on va d'abord commencer par le petit aspirateur. Voilà. Hop. De ce côté-là aussi. On n'oublie pas le lit. Ok. Ensuite, j'ai besoin de ce grand aspirateur. Voilà. Ensuite, il reste le dressing, la chambre des jumeaux et des jumelles. Ah, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Les jumelles sont à l'école. Heureusement, parce que ça me ferait encore une grande tâche. J'arrive pas à supporter la dispute des jumelles. Elles se disputent encore. Allez, voilà, ça y est. Oh, ça m'a pris en tout une heure, on dirait. Oh, les jumeaux, j'ai oublié les jumeaux. Bon, en même temps, ils regardent la télé. Donc, ça va rien changer. Ils ont leur émission préférée, donc on les laisse regarder. Oh, les jumeaux, Hercule, Adam, vous êtes là? Dans le jardin? Adam, Hercule, vous êtes où? En train de manger quelque chose? À l'intérieur du frigo? Non. Adam, Hercule, vous êtes passé où? Mais il peut pas disparaître. Ils ne savent pas marcher. Vite, peut-être à côté de la piscine. Oh, non, il y a personne. Les jumeaux, vous êtes où? Oh non, ils sont pas ici. Dans le jardin. J'ai pas vérifié le jardin. Les jumeaux, il y a personne ici. Attends, attends. La porte est ouverte. Je l'avais fermée pourtant. Ne me dis pas que ils sont partis. Ils sont sortis de la maison. Adam, Hercule, monsieur. Monsieur? Ah, ah. Oui, jeune dame. Vous auriez pas vu, mais mes jumeaux, Hercule et Adam. Non, j'ai vu personne. J'étais ici depuis tout à l'heure. J'ai pas bougé de la place. J'ai pas vu d'enfant. Cherchez chez vous. Oui, merci. J'ai pas confiance. Il est bizarre. Je devrais peut-être appeler Manny. Oui, allons l'appeler. Quoi? Comment ça, ils ont disparu? T'as cherché dans toute la maison? Oui, oui, j'ai cherché partout. Manny, viens vite. Je suis inquiète. Ils ont peut-être été kidnappés. Quoi? Non, c'est pas possible. Ok, j'arrive. Attends-moi là-bas. Oui, vas-y, fais vite. Oh, mes bébés, les pauvres. Oh, où ont-ils pu passer? Jamais ils n'ont quitté la maison. Et là, c'est sûr. Qui est venu les voir? J'arrive pas à croire. Ils ne savent même pas marcher en plus. Tu crois qu'ils vont sortir ensemble? Non, je pense pas. La pauvre Mia.
Franchement, ça c'est pas ce que fait sa sœur. Oh, Roméo. Mia fait quelque chose. Non, c'est bon. Laisse. Hein? Mais regardez, y a qui? C'est pas les frères de Mia et Rose? Hein? Ah mais oui! Les jumelles? Y a vos frères! Frères? Comment ça, nos frères? Ils sont à la maison? Ah bah non! Regarde! Hein? Je vais voir ça. Oh, Hercule? Adam? Qu'est-ce que vous faites ici? Maman est là? Mia! Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Oh non! Rose, y a tes frères! Comment ça, mes frères? Attends. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mia! Rose! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh oh! Oh non! Le principal! Oh, il va crier sur nous! À cause de vous! Maman est où? Et depuis quand ils savent marcher? J'ai aucune idée! C'est encore à cause de toi, Mia! Quoi? Encore à cause de moi? J'ai rien fait! Relax, les filles! En tout cas, ils sont mimi! Ils sont trop mignons. Waouh! Toute la famille à l'école. J'aime bien. Messieurs, je trouve ça inadmissible. Comment les frères jumeaux, des jumelles, peuvent venir à l'école? C'est vraiment interdit. Ils n'ont pas l'âge, monsieur. Donc, je vous dis de les virer. Tous. Je vais voir ça. Ne vous en faites pas, mademoiselle Elena. Je m'en charge. Faites vite. Sinon, vous savez, c'est mon père qui va s'énerver. Oui, bien sûr. Allez en classe. Merci. C'est pas possible. On dirait les jumeaux, elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Bon, eh bien, jeune demoiselle d'or, allons à la cour de récréation. Alors, où sont-ils? Oh, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, c'est nos frères jumeaux. Qui les a autorisés d'en rentrer à l'école? Vous connaissez le règlement, j'espère, les filles. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pas nous. Ils sont venus comme ça. Monsieur, c'est pas de leur faute. Je vous rassure. Elles étaient avec moi. Enfin, ils savent marcher maintenant. C'est pas une raison de venir à l'école quand même. Comment ils ont fait? Je vais appeler leurs parents. Et vous, prenez-les dans vos bras. Ils sont très agités. Oui, monsieur, bien sûr. Hercule, arrête. Viens ici. Adam, arrête. Comment t'as fait pour venir ici? Je comprends pas. Et moi, je vais appeler vos parents. Vous serez toutes punies. Manny, c'est bon. Ils sont à l'école. Je te parle après, d'accord? Ok, miss. Monsieur, excusez-moi. Mes jumeaux, qu'est-ce qu'ils font à l'école? Eh bien, c'est à vous de me le dire. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Vous le savez, je les ai trouvés à l'école. Et les enfants sont tous choqués. Comment ils ont fait? Ils savent marcher? Non, normalement, ils ne savent pas marcher. Eh bien, maintenant, vos jumeaux ont grandi. Ils ont suivi vos sœurs. Ils sont montés dans le bus. Même le chauffeur n'a rien vu. Vous pouvez les récupérer. Mais la prochaine fois, faites attention. Sinon, c'est vos jumelles qui seront punies. Oui, monsieur, merci. Je suis désolée. Je suis embarrassée. Mes jumeaux, j'aurais jamais cru qu'ils allaient venir jusqu'à là. Et je sais même pas qu'ils pouvaient marcher. Je suis désolée, les jumelles. Je vous ai embêtées aujourd'hui. Non, maman, c'est pas de ta faute. T'inquiète, c'est nos frères. Ils ont grandi. Maman, oui, ils ont grandi. Du coup, on pourra faire pas mal d'activités ensemble. Peut-être même du vélo. Wouh! Hey, Mia, Adam te ressemble. Merci, Roméo. Yay! Trop bien! Bon, maman, laisse-nous tranquille. Roméo, on était à où, nous, déjà? Ah oui! Et si on allait passer une journée tous les deux ensemble? Comme tu veux, Rose. Waouh! Je vois la vie tout en rose!